Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter la fête du jeûne fédéral suisse. Le jeûne fédéral est une fête religieuse annuelle suisse, célébrée le troisième dimanche de septembre dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud. Les journées de prière et de pénitence du christianisme tirent leurs origines de la Bible. Au Moyen-Âge, ces journées sont ordonnées par les autorités en certaines circonstances. Les raisons qui motivaient de telles célébrations étaient fort diverses. Guerre ou menaces de conflit, maladies, épidémies, cataclysmes naturels, perspectives d'avenir très sombres, etc. Les exercices pénitentiels étaient souvent accompagnés de processions et de pèlerinages. En 1832, le jeûne fédéral a été décrété jour d'action de grâce, de pénitence et de prière pour toute la Confédération suisse par la Diète fédérale sur proposition du canton d'Argovie. Le jeûne fédéral est fixé au troisième dimanche de septembre. Le canton de Genève, quant à lui, continue d'observer sa propre date de jeûne, le jeudi qui suit le premier dimanche de septembre. Il est appelé « jeûne genevois ». La tradition veut que la tarte pruneau soit le seul élément du repas de midi. En Suisse romande, seuls les cantons de Vaud, de Neuchâtel et une partie du Jura bernois ont un jour de congé le lundi suivant cette occasion. Les jours du jeûne et de pénitence, ordonnés par les autorités en certaines circonstances, remontent au Moyen-Âge tardif. En 1619, à l'issue de synode de Dordrecht, les cantons protestants décident pour la première fois une journée de jeûne en commun. En 1639, la Diète protestante décrète l'introduction d'un jour de jeûne annuel, la Diète catholique en fait de même en 1643. Le premier jeûne fédéral est célébré dans toute la Suisse le 8 septembre 1796. Cette journée subsiste sous la République helvétique, sous l'acte de méditation et sous la Restauration. Le jeûne fédéral institué en 1832 jouera un rôle important dans le nouvel État fédéral né en 1848 en permettant de consolider la paix religieuse et sociale.